Bienvenue, jeune Skywalker. Il me tarde de pouvoir achever ta formation. Et tu m'appelleras très bientôt, maître. Vous vous trompez sur mon compte. Vous n'arriverez pas à me convertir comme mon père. Il est inutile de résister, mon fils. Tes amis vont en réalité tomber dans un piège, comme toute ta flotte rebelle. Que la force soit avec nous. On devrait pouvoir lire sur les détecteurs si leur champ de sécurité est opérationnel. Comment peuvent-ils brouiller les détecteurs s'ils ne savent pas que nous arrivons? Cessez l'attaque! Champ de sécurité branché! C'est un piège! Je l'avais bien dit que c'était dangereux. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Hello! Hé, hey, vous, là-bas! C'est moi que vous cherchez. Je vous aime. Je sais. C'est fini, commandant. Les rebelles sont en déroute, ils s'enfuient dans les bois. Nous aurons besoin de renforts pour continuer la poursuite. Ouvrez la porte arrière! Les chasseurs approchent! Ils sont bien trop nombreux! Ce tir venait de l'étoile de la mort. Sache que les renseignements que vous avez eus vous ont été donnés parce que je l'avais décidé. Tu es tout comme ton père, maintenant, à moi. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Bien. Sers-toi de tes sentiments agressifs, mon garçon. Je ne veux pas me battre avec vous, père. Jedi.
tirer ce masque. Ah. Maintenant, va, mon fils. Laisse-moi. Non, il faut que je vous sauve. Mais tu l'as déjà fait, Luke. Le bouclier est ouvert. Attaquez le générateur principal de l'étoile de la mort. Gens dans le tunnel. On peut toujours essayer. Content de vous revoir, monsieur. L'amiral Statura veut vous voir immédiatement, Lamron. Oh, vous voilà. Content que vous soyez revenu en un seul morceau. On n'a pas le temps pour ça, maintenant. Et on n'a pas le temps non plus de s'installer. On a reçu une nouvelle mission, ultra prioritaire. Il faut que vous alliez immédiatement sur Jakku pour recueillir des informations vitales. On vous briefera en route. C'est un vrai moulin à parole, celui-là. Quelqu'un peut m'apporter un escabeau ? De quoi améliorer la situation. Grâce à vous, nous avons enfin une chance. Sans les Jedi, il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la Force. La Générale attendait ça depuis longtemps. La Générale ? Pour moi, c'est une Altesse Royale. Il faut vous cacher. Il faut vous enfuir. Bon,
si vous n'avez pas d'armes, prenez-en une et que ça saute. Le premier ordre est à notre porte. Une escouade, par ici. Un chemin pour s'échapper. Je n'aime pas trop ce qu'ils construisent. Un nouveau transport arrive. Nous ne sommes pas assez à couvert ici. Voilà devenu vieux. Ce qui vous est arrivé est beaucoup plus tragique. Vous savez ce que je viens chercher. Va-t'en le plus loin possible. Tu m'entends? Je reviendrai te chercher. Tout ira bien. La carte pour retrouver Skywalker. Nous savons que vous voulez te procurer. Et maintenant, vous allez la remettre au premier ordre. Le premier ordre est l'émanation du côté obscur. Ce n'est pas vrai. Je vous montrerai le côté obscur. Non, non, non! Fouillez-le. Rien, seigneur. Emmenez-le à bord. FN-2187, déposez votre blaster pour inspection. Elle est dans le droïde. Une unité W. Parfait. S'il est sur Jakku, on le trouvera vite. Je vous laisse faire. Quoi ? Écoute, je viens te sauver. Je te propose de t'évader. Tu es de la résistance ? Moi ? Non, non, je t'aide seulement à t'évader. Tu sais piloter un chasseur ? Je sais tout piloter. Pourquoi ? Pourquoi tu m'aides ? Parce que c'est mon devoir. Oh ! Il te faut un pilote. Il me faut un pilote. Le chasseur TIE est libéré. Allons-y !
serait une bonne idée de riposter. Il faut détruire et hyper-enclencher les vaisseaux manuellement. Dans ce cas, assurons-nous qu'il n'y ait plus aucun vaisseau à lancer. Pulvérise ces vaisseaux. Dégommer ces canons, sinon on n'ira pas loin. Mais on va où? On retourne sur Jakku. Non, on peut pas aller se poser sur Jakku. Il faut sortir de ce système. Je dois récupérer mon droïde avant le premier ordre. Quoi, un droïde? Oui, un bébé orange et blanc. Exceptionnel. Peu importe sa couleur, ça compte pas un droïde. Celui-là, si. Oh non, c'est pas possible. Ce droïde contient une carte menant à Luke Skywalker. Accroche-toi, on a un missile à nos trousses. Je vais essayer de le semer. Le chasseur devrait s'écraser près de Goezone dans des marnes. Il revenait récupérer le droïde. Envoyez un détachement sur les lieux. Secret défense? Moi aussi, je suis très secrète. Pour rejoindre Nima, c'est par là. Surtout, évite Kelvin Ridge. Et méfie-toi des sables mouvants au nord. Tu risquerais de te noyer. Ne me suis pas. La ville est par là. Demain matin, tu t'en vas. Y a pas de quoi. Pour ce que tu m'apportes aujourd'hui, je te donnerai... disons, un quart de portion. Il y a une semaine, c'était une demi-portion pièce. Et le droïde? Quoi, le droïde? Je suis prêt à le payer 60 portions. Oh. En réalité, le droïde n'est pas à vendre. Allez, viens. Suivez la fille et ramenez-moi le droïde. Ah.
trouvé. Il dit qu'il appartient à son maître. C'était le blouson de Podamron. C'est ça ? Il a été capturé par le premier ordre. Et je l'ai aidé à s'évader. Mais notre chasseur a été abattu. Il n'a pas survécu. Tu appartiens à la résistance ? Exactement. C'est ça, oui. J'appartiens à la résistance. J'appartiens à la résistance. BB-8 dit qu'il a une mission secrète. Il doit rejoindre votre base. Pareil qu'il y a une carte qui permet de localiser Luke Skywalker et tout le monde court après. Suis-moi ! Quoi ? Vaisseau à droite. C'est un tas de ferraille. L'état de ferraille fera l'affaire. Le poste de tir est en dessous. T'as déjà piloté ce truc? Non. Il y a des années qu'il est cloué au sol. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Que les coordonnées de la base de la résistance ne peuvent être données qu'en cas d'urgence. Il y a urgence, là. Alors, allez où cette base, hein? Entre nous, j'ai jamais été dans la résistance. Je veux juste échapper au premier ordre. Mais si tu nous dis où est la base, je te dépose au passage, d'accord? Alors, elle est où, votre base? Dans le système d'Illinium? Le système d'Illinium, oui. Il faut que tu nous emmènes là-bas le plus vite possible. Je le ressens de nouveau, l'attrait de la lumière. Le leader suprême le sent. Montrez-moi encore la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra plus nous arrêter. Montrez-moi, grand père. Seigneur, nous n'avons pas pu récupérer le droïde sur Jakku. Il a échappé à la capture à bord d'un cargo corélien volé. Le droïde a volé un cargo. Ce n'est pas tout à fait ça. Il était accompagné. FN-2187. Il était également accompagné d'une fille. Quelle fille? C'est pas possible. Les commandes ne répondent plus. Quelqu'un a pris la main. Tu vois quelque chose? Arrête! Oh non. On fait quoi? On va pas se laisser. Chewie, on est à la maison. Où sont les autres? Où est le pilote? C'est moi le pilote. Toi? Je l'ai volé. À une carplotte. Il l'avait volé au frère Irving, qui l'avait volé à Duquesne. Qui me l'avait volé à moi?
Tu diras à Uncarplot que Han Solo en personne a récupéré le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium ? Vous êtes Han Solo ? Ce droïde doit rejoindre la base de la Résistance le plus vite possible. Il a une carte pour retrouver Luke Skywalker. Ne me dites pas qu'un rat-tard s'est échappé. On trimballait des rat-tards ! Non, non, pas eux. Le gang Gaviandes. Ils doivent nous suivre depuis Nantoon. Descendez et ne bougez pas avant que je vous le dise. Et je vous déconseille de vous emparer du faucon. Et BB-8 ? Il reste avec moi le temps que je me débarrasse de ces gens. Après, vous pourrez partir avec lui. T'es mort, Solo. Tu t'en tireras pas. Balatik, t'as un problème ? Oui, j'ai un problème. On t'a avancé 50 000 pour ce boulot. Tu crois que ça coûte rien de chasser le rat-tard ? Et le Kanji Club aussi veut récupérer son dû. J'ai jamais passé de contrat avec le Kanji Club. C'est à eux qu'il faut expliquer ça. Benenda Marisarinda. Le WB que tu as là, le premier ordre recherche un droïde qui ressemble exactement à ça. Et deux fugitifs. Attends, attends. Si on peut fermer les portes anti-souffle du couloir, les deux gangs vont rester coincés. Oh non. Oh non, quoi ? C'est pas les bons. De savoir d'où ça vient, mais ça nous a bien aidé. Tu ferais bien de te remuer, sinon tu vas servir d'amuse-gueule au rat-tard. De la compagnie. Merci. Bon, on peut quitter ce vaisseau maintenant ? Par ici ! Tu es sûr ? Capturez le droïde ! J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Ferme la porte derrière nous. Toi, tu t'occupes de Chewie. Attention à la poussée, on démarre direct en vitesse lumière. Directement dans le hangar, vous croyez que c'est possible ? Accrochez-vous derrière ! Informez le premier ordre que Han Solo a le droïde qu'il recherche. Et qu'il est à bord du Faucon Millenium. Il les mènera au dernier des Jedi. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Suprême leader, j'assume l'entière responsabilité. Général, il est temps de changer de stratégie. L'arme est prête et opérationnelle.
Je pense que le temps est venu de l'utiliser. Détruisons le pouvoir qui soutient la Résistance, la République. Privée de ses amis, la Résistance sera affaiblie. Et nous les empêcherons de joindre Skywalker. Laissez-nous aller superviser les préparatifs. Quelque chose s'est réveillé. Tu l'as senti? Oui. Il y a autre chose. Le droïde que nous recherchons est à bord du Faucon Millennium. Entre les mains de ton père, Han Solo. Il n'est plus rien pour moi. Nous verrons. Nous verrons. Alors comme ça, vous êtes recherché. Le Premier Ordre veut la carte de BB-8. Finn est dans la Résistance. Moi, je ne suis qu'une pieuse d'épave. Voyons ce que t'as. C'est un fragment, il en manque. Elle n'est pas complète. Du jour où Luke a disparu, tout le monde s'est mis à sa recherche. Pourquoi il est parti? Il commençait à former une nouvelle génération de Jedi. Un jour, un jeune apprenti s'est rebellé contre lui et a tout détruit. Les Jedi sont pas une légende? La Force, les Jedi, absolument tout. Tout est vrai. C'est notre destination. C'est sans doute la planète la plus verte de toute la galaxie. Chewie, inspecte le faucon le mieux que tu pourras. Vous voulez envoyer BB-8 à la Résistance? Maz Kanata est notre meilleure option. On pourrait en avoir besoin. Han Solo. Oh, misère. Salut, Maz. T'es encore dans le besoin, j'imagine. Comme d'habitude. Maz, j'aimerais que tu transmettes ce droïde à Leia. Non. Il y a beaucoup trop longtemps que tu as déserté la lutte. Vous parlez de quelle lutte? Contre le côté obscur. À travers les âges, j'ai vu le mal prendre de nombreuses formes. Les Sith, l'Empire. Aujourd'hui, c'est le Premier Ordre. Il n'y a pas de combat contre le Premier Ordre, où il est perdu d'avance. Il faut tous nous enfuir. Tu vois ces deux-là? Moyennant travail, ils te transporteront à la bordure. Et là, tu pourras disparaître. Je suis pas dans la Résistance. Je suis pas un héros. Finn! Venez passer commande, tout le monde! Oh, je suis pas à une minute près. Qui est cette fille? On est vraiment bien chez soi. Disons un quart de portion. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sabre laser appartenait à Luke. Et avant lui, à son père. Et maintenant, Rey, il t'a choisi à ton tour. Il faut que je reparte sur Jakku. Ma chère enfant. Je le vois dans tes yeux. Ce qui te manque tant n'est pas derrière toi,
Il est à venir. Le sabre. Prends-le. Jamais plus je n'y toucherai. Je n'ai rien à voir avec ça. Cette journée verra la fin de la République. Cette fantastique machine que nous avons conçue, aboutissement de brillantes recherches, va nous permettre d'anéantir le Sénat Galactique. Tous les autres systèmes se soumettront au premier ordre. C'est la République! Le premier ordre, ils ont fait ça! Mais où est Ray? Nous devons faire face. Les combattre. Tous ensemble. Je le garde depuis des lustres. Je l'avais mis en sûreté. Comment tu l'as eu? C'est une bonne question, mais ce n'est pas le moment. Prends-le et retrouve ton ami. Les bombes ont dû endommager les verrous. Tu peux les découper ? Finn, il est temps. Quelle désolation. Lui rafraîchir les idées. À la vedette. Seigneur, le droïde se dirige vers l'ouest, avec une fille. Bébé 8, je ne peux pas t'emmener avec moi, tu es beaucoup trop important. Eux, ils t'accompagneront. Le droïde, où est-il ? Plante,
bougez plus! TK-338, les cibles sont acquises. Bandit à 2-8.6! En avant! En avant! Engagez tous les escadrons! C'est la résistance. Foncez dessus, ne vous laissez pas impressionner! C'est ce que j'appelle savoir piloter! Hey, BB-8, ils ont besoin de toi! Vite, cours! En atmosphère des vaisseaux de largage. Il faut détruire ces chasseurs TIE et vite! Les transports de troupes sont presque à portée, Black Leader. À toutes les escadres! Concentrez le feu sur les transports et leurs escortes! Il l'a emmené. Oui, oui, je sais. Bonté du ciel, Han Solo! C'est moi, c'est 3PO! Vous ne devez pas me reconnaître à cause du bras rouge. Oui, il faut qu'on me remonte mon vrai bras. T'as changé de coiffure? Même veste. Non, c'est une neuve. Il était là. Je l'ai vu, Léa. Notre fils. Quoi ? Où je suis, là ? Tu es mon invité. Parle-moi du droïde. C'est un double B à processeur au sélénium et vindicateur thermique à hyperscan. Il est porteur d'un fragment de carte. Nous avons le reste. Nous l'avons récupéré dans les archives impériales, mais elles étaient incomplètes. Or, il semblerait que le droïde démontrait le reste. Je sais que tu as vu la carte. Tu t'en souviens? Tu vas me la donner. N'aie pas peur, je le ressens aussi. Je ne vous donnerai rien du tout. On verra. Non. C'est toi qui as peur. Peur d'être moins fort que Dark Vador. La pilleuse d'épave t'a résisté. La force est puissante en elle. Elle n'a pas été formée, mais elle l'a. Et le droïde? Kylo Ren a estimé que nous pouvions nous passer de lui. Que la fille avait tout ce qu'il nous fallait. Résultat, le droïde est très probablement à l'heure qu'il est aux mains de l'ennemi. Il faut donc frapper la résistance avant qu'il ne joigne Skywalker. Nous les avons localisés.
Leur vaisseau de reconnaissance a rejoint le système d'Illinium. Bien. Nous allons pouvoir les écraser une bonne fois pour toutes. Faites préparer l'arme. Je peux lui extorquer la carte, Supreme Leader. Si ce que tu dis de cette fille est vrai, alors ramène-la-moi. Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB-8 est incomplète. Et ce qui est plus grave, elle ne correspond à aucun système cartographique connu. Nous n'avons tout simplement pas assez de données pour localiser Maître Luke. Comment ai-je pu croire que j'allais le retrouver et le ramener? Le Premier Ordre est en train de recharger l'arme. Notre système est la prochaine cible. BB-8, tu perds ton temps. Ah, j'ai bien peur que non. R2-D2 est en mode veille depuis que Maître Luke s'en est allé. La mission de reconnaissance de Snap confirme ce qu'a dit Finn. C'est la base Starkiller. Comment peuvent-ils alimenter une arme d'une telle taille? Ils utilisent la puissance du feu solaire. L'arme se charge de l'énergie d'un soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse. D'accord, mais comment on l'a fait exploser? Il y a toujours un moyen d'y arriver. Pour confiner une telle quantité d'énergie, il doit y avoir un oscillateur thermique. Effectivement. Si on détruit cet oscillateur, ça peut déstabiliser le cœur et neutraliser l'arme. On va frapper cet oscillateur avec tout ce qu'on a. Il dispose de boucliers que nos appareils ne sont pas capables de traverser. Je peux désactiver les boucliers, mais il faut que je sois sur place, sur la planète. On va t'y conduire. Réparation terminée. On n'a plus qu'à charger le carburant et les munitions. Du carburant, des munitions, ah oui, et des cookies wookie pour Chewie. Chasseur paré au décollage. Il y a quand même des choses qui ne changeront jamais. Tu me rends toujours folle. Si tu vois notre fils, ramène-le. Comment on va passer? Les champs de force ont un taux de rafraîchissement fractionnel. Rien de ce qui navigue à vitesse subluminique peut passer au travers. On va amorcer notre approche à la vitesse lumière? Chewie, tiens-toi prêt. Je fais ce que je peux! C'est vrai, t'as froid. La conduite d'eau pluviale est juste derrière. C'est par là qu'on va entrer. Bon,
à quoi sert ce conduit d'évacuation? Oublie ma question, j'ai deviné. Au rapport. L'arme sera chargée dans 15 minutes, monsieur. C'est quoi comme boulot quand t'étais ici? Collecte des ordures. Collecte des ordures? Et c'est là que t'as appris à désactiver les boucliers? Pas du tout. Je suis venu pour retrouver Ray. T'as pensé à tout ce qui compte sur nous? Le sort de la galaxie dépend de nous. Solo, on va se débrouiller. On utilisera la force. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne, la force. Vous n'êtes pas un peu petit pour un Stormtrooper? Les boucliers. Ça ira, j'ai ma petite idée. Une ordure de la résistance! Quelqu'un peut me passer mon pantalon? Impossible de toucher le troupion sur la gauche, il est trop bien caché. Joli! Venez pour la bande. Dire que vous étiez de grands amis. Attrape-la, Chewie. Je m'appelle Finn et c'est moi qui commande. C'est moi qui commande, Phasma. Exécution. Vous croyez que ce sera si facile? Je suis pas d'accord. Vous voulez que j'explose votre casque? Désactivez les boucliers. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Il y a un conduit à ordures. Et un compacteur. Excellente idée. Lâchez-moi! Comment osez-vous? Leurs boucliers sont neutralisés! On fonce! Black Leader, ok pour passer en subliminique. Bien reçu. Red et Blue, restez derrière moi. On passe en subliminique. L'échec signerait la fin de la résistance. Ça n'engage que moi, mais je suis chaud bouillant, Black Leader. Presque rien!
Essayez les autres cibles! Et une tourelle de moins! Gne, 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 gne. Ah! Dans le mille! Mais ça n'a pas fait de dégâts! Y'a du monde qui arrive! Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Qu'est-ce que vous avez dit ? Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Je vais vous libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Bon, je n'ai plus besoin de vous. Oh, une dernière chose. Cessez de faire le mal. Quoi ? Cessez de faire le mal ? Mais je suis un Stormtrooper ! Les Stormtroopers seront en état d'alerte. Faudra qu'on soit sur nos gardes. Comment ça s'est passé ? Il t'a maltraité ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? On est revenu pour te récupérer. On s'en va, là. On s'embrassera plus tard. Mon ami a plein d'explosifs dans son sac. On va bien s'en servir. Cette fille, c'est ce qu'elle fait. Bon, préparons une jolie petite bombe pour ce truc. Snoke t'utilise pour tes pouvoirs. Quand il aura obtenu ce qu'il veut, il t'écrasera. Rentre avec moi. Tu nous manques. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se débarrasser de ces chasseurs TIE avant de faire une nouvelle passe sur l'oscillateur. Il y a un trou dans l'oscillateur. Les nôtres ont dû réussir à entrer. Red 4, Red 6, couvrez-nous. Bien reçu. Roger. Les autres, matraquez l'objectif. Balancez tout. À tous, je rentre dedans. Couvrez-moi. Bien reçu, Black Leader. Bonne chance pour... Woo!
sont fracturés. Toute la planète va s'écrouler. Abandonnez la base et venez me rejoindre avec Kylo Ren. Le temps est venu d'achever son apprentissage. Oh oh Pourquoi par là ? On n'en a pas fini. Lâche ce sabre. Ce sabre est à moi. Tu n'es qu'une anomalie. FN-2187. Une erreur qui aurait dû être éliminée. Mais ne t'en fais pas. Je vais corriger cette erreur. C'est ça. Allez, défends-toi. Quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas. Je pourrais me pencher pour le ramasser, mais ça ne serait pas très stylé. Faut un guide. Je peux t'enseigner la voie de la force. Tu es monstrueux. Abandonne-toi, Ali. Laisse-le couler dans tes veines. Continue de m'attaquer. Cesse de résister. Oui. Oui. C'est ça. Oh. On rentre. D'accord, camarade, attends. La carte, elle est complète. Luke. Mon cher ami, comme tu m'as manqué. Rey. Que la force soit avec toi.
Général Organa, il dispose de boucliers que nos appareils ne sont pas capables de traverser. On va entrer et on va lancer toutes nos forces sur cet oscillateur. De là immédiatement. Chef, oui, chef. Appuyez sur le bouton rouge. Elle a vraiment l'air en colère. Et si on la laissait là? J'ai tout entendu. L'autre bouton rouge. J'attends. Chef, pardon, chef.
Posez-vous.